C'est certain que ce n'est pas avec le jeûne qu'on fera ce genre de choses, car le jeûne, on allez donc savoir. Le jeûne. Et non. Les drogues. Pas le coup, là. La pépette. Aude. Ah, voilà. Alors, ma petite Aude, que dites-vous de cette sublime balade en campagne? Hein? Vous êtes barbouillée à cause du décalage horaire. Enfin, écoutez, Aude, nous sommes à 50 km de Paris. Mais non, ce n'est pas le bout du monde, voyons. Pardon? Aucune femme ne peut ici survivre. Mais les aborigènes s'en fichent. Ils ont leurs brebis, Aude. Et en plus, elle leur donne du lait, chose que je n'ai jamais obtenue de vous. Oh, ne vous dépose de galéger, voyons. Ah, par contre, ce qui n'est pas une plaisanterie, c'est que nous flirtons avec la pente sèche. Eh ben voilà, le flirt est consommé. Enfin, Aude, bon, je vous en prie, enfin, écoutez, mais ça veut dire quoi, ces familiarités? Bon, mais non, je ne vous fais pas le coup de la panne, hein? Notre étreinte conjugale trimestrielle arrive à échéance. Je ne le sais que trop, j'ai reçu votre mise en demeure hier. Alors ça, je n'aurais jamais dû opter pour le prélèvement automatique. Enfin, écoutez, Aude, ce n'est pas le moment, vous voyez bien que je suis à sec. Ne vous affolez pas non plus, Aude. Non, je vous en prie, écoutez, inutile de téléphoner à l'ambassade pour nous faire rapatrier par avion sanitaire. Ben, écoutez, je vais héler ce paysan là-bas. Je vais héler. Il tressaut sur sa drôle de machine, sûrement une construction locale. Non, la machine, pas le pecno. Mais Aude, mais évidemment qu'il parle français. Mais est-ce que vous pouvez avoir l'esprit capital, vous savez? Mais ce sont des gens comme nous. Enfin, presque. Dites-moi, mon bras. Regardez, il a l'air de me comprendre. Ah oui, j'ai un petit ennui. J'ai une pâle absolument démentiellement contrariante. Mais non, je ne suis pas impuissant. Je vous en prie, vous. Il n'y a pas de décence. Pétrole. Gasoline. Tu vois, il y en a à comprendre. Seulement ce que leur apprennent les missionnaires. Toi, pouvoir moi remorquer jusqu'à un village indigène. Et bien avec ton... C'est quoi ça, ce tas de boue, là? Un tracteur? C'est ça, un tracteur? Oh! C'est la première fois que j'en vois un aussi près. Et en liberté! Pardon, ami terreux. Mais le tour de Dalek me font comprendre son geste amical. Que j'aille me faire foutre avec ma poubelle parisienne tête de chienne. Ça, Aude, il vous a bien cerné. Mon Dieu, Aude, il vient de m'exhiber, ça. On ne louchez pas dessus, enfin, Aude. Mais non, mais je n'ai aucun complexe. Il s'agit certainement du reproducteur local, c'est quoi? Mais pourquoi vous hurlez maintenant? Un bison? Un bison à 50 km de Passy? Mais non, mais c'est un taureau. Ben voilà, vous l'avez dit que ça nous fonde dessus. Mais ça, c'est à cause de la voiture Aude. Je vous avais dit pas de rouge, ça fait communiste. Si Aude, une Rolls rouge, c'est communiste qui a tout pigé. Et ben voilà, il nous rentre dedans. Ah, il nous pousse, la sale bête. Pardon, Aude. Ces cornes sont bloquées dans le pare-choc. Profitons-en, Aude. Sauf qui peut. Bon, alors, vous venez. Ah! Où ça, une souris? Mais non, Aude, c'est un lapin. Mais venez. Mais non, vous n'allez pas choper la myxomatose. Oh! Revoir Paris, cette pédé. Se faire traiter de connard pour les livreurs. Mais comme tous ces bonheurs paraissent lointains, Aude, vous m'avez convaincu. Téléphonez immédiatement à Kouchner. Bernard! Oui. C'est le 1. Merci. Applaudissements.